qui ai-je l'honneur, monsieur? Je m'appelle Bond. James Bond. Oh oui, le légendaire esprit 007. Demain, votre heure aura sonné. Notre relation est toute dans ce symbole. Qui est-ce qui a peur maintenant, monsieur Bond? Si c'était vous, une relation avec un type de ce genre, je n'aurais pas confiance. Bien, vous oubliez peut-être de prendre en compte mes ressources secrètes. Sans rancune aucune, monsieur Bond. Le monde ne suffit pas pour échapper à James Bond. Demain, 20h50 sur TF1. Sur TF1, la Française des Jeux vous invite au cinéma. Ah, c'est bon signe. Avec Astro. Des vents nouveaux vont venir d'Europe. Parce que le monde bouge. La météo avec le groupe CIC. Madame, monsieur, bonsoir. Ce lundi a été exceptionnellement doux. On a même battu des records, par exemple, en Île-de-France ou à Alençon pour un mois de janvier. Mais ça ne va pas durer. Explication avec les images du satellite. Alors, pour l'instant, on est dans un flux d'ouest avec une petite perturbation qui n'a pas donné grand-chose aujourd'hui. Un front froid qui va passer demain, qui, lui, va s'enfoncer progressivement, mais toujours dans un champ de pression élevé. Et c'est surtout ce basculement dans un flux de nord qui va nous intéresser dans les jours à venir avec une perturbation qui devrait apporter de la neige. En attendant, dans l'après-midi de ce mardi, temps relativement calme avec les restes de la perturbation des Pyrénées jusqu'aux Alpes, avec un petit peu de neige en montagne, avec beaucoup de vent mais du soleil près de la Méditerranée. À l'arrière, du soleil et quelques averses. Elles devraient être plus fréquentes près des côtes de la Manche avec du vent. Quant aux températures, elles commencent à baisser sur la moitié nord, pas plus de 3 degrés dans l'après-midi à Langres, mais jusqu'à 18 degrés tout de même pour Bastia, entre 9 et 13 près de l'Atlantique, 9 degrés pour Cherbourg, 15 pour Nîmes, 14 pour Montélimar et 9 degrés à Lyon. Alors, pour les deux jours suivants, puisque l'on parle des températures, une chute importante entre mercredi et jeudi sur la moitié nord, de 6 à 1 degré, pas plus. C'est une moyenne, bien évidemment, donc retour non seulement des gelées, mais peut-être de la neige. Je vais vous en parler en détail. Et puis, c'est surtout vendredi que...